YouTube, bonjour! C'est Sean Kazma, j'espère que tu vas bien. Nous sommes toujours en compagnie de Twitch, toujours sur Alan Wake Remastered Edition PlayStation 5. Et ce paysage est très beau. Alors, c'est pas le plus beau qu'on ait eu jusqu'à présent. Hein. Je vous avoue que la petite maison au bord du lac, c'était mucho caliente. Là, c'est un peu moins mucho caliente. Nous sommes en direction de la mine. On avance toujours dans le chapitre 3. J'ai bien aimé ce qui s'est passé dans l'épisode précédent. Enfin, les deux épisodes précédents, depuis l'ouverture du chapitre 3 en fait. Parce qu'on a eu un rythme très différent de ce qu'on a l'habitude de voir depuis le début du jeu. Le jeu se renouvelle. C'est pas forcément complètement la même chose ou complètement différent ou quoi. Juste, il y a des idées qui émergent et ça permet de voir quelques nouveautés. Donc je trouve ça bien bien cool. On va pas trop traîner parce que j'ai l'impression que la route en voiture est encore longue. J'aime beaucoup le fait qu'il y ait des phases en voiture comme ça. Je regarde un peu sur les pics. En bord de falaise parce que en vrai il y a des bonbonnes. Enfin des bonbonnes, des thermos à récupérer. Et vu que je sais pas trop où elles sont. Je rappelle c'est à découverte hein, forcément. Bah je check quoi. J'arrive vraiment pas à savoir où on est. On est au Canada? J'arrête pas de me poser la question. Oh un 4x4. En vrai, je vais garder ma voiture, mais alors, attends, si ça se trouve, point de contrôle atteint. Ah! Attends, quoi? Ah oui, on est arrivé, là. Ah bah, je savais pas, j'ai pas fait exprès. Alors, en plein jour, ça me permet quand même de regarder d'un petit peu plus loin, ce qui est cool, pour éviter de perdre du temps. Ça continue fort fort en voiture. Oh, ça continue fort fort en voiture. Attendez. Attendez. En gros, là, tu veux que j'aille à gauche, c'est ça? D'accord. Eh ben, on va aller rechercher le 4x4, hein. C'est la découverte, YouTube. Et je veux faire ça bien. Parce que jusqu'à présent, on a proposé un chapitre 1 et un chapitre 2 de haute qualité, selon moi. Des chapitres hautement fournis en résolution, en accomplissement, en collectable. Donc si on peut éviter de louper les 1, 2, 3, attends, on va tous les sortir, il y en a beaucoup. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Si on peut éviter de louper les 12 dernières pages, ça serait nice. Mais ce chapitre est vachement long. Hein. J'ai l'impression que plus on avance et plus les chapitres sont longs. Ah c'est possible. Hein. En vrai je pense pas qu'ils aient mis... Je pense pas qu'ils aient mis des thermos là. Parce que c'est vraiment hors décor. Qui irait voir par là? J'aurais perdu du temps à l'infini. Oh, attends. Je savais bien que j'avais vu un truc. Attends. YouTube, je te promets, je me suis pas arrêté pour rien. Je regarde pas là où il faut, t'inquiète. Merde, c'est où je l'ai vu? Là. What? Il y a un easter egg. La tête de Wham, ça c'est un easter egg. Ça c'est un easter egg ça. Obligé, c'est une référence. Étant donné que Alan cite tout le temps du Stephen King, on est sur quelque chose du genre, non? On est sur du King là. Du Stephen en tout point. Ok, bon, je suis content, on n'est pas descendu pour rien. Allez, on fonce, on s'arrête plus. On essaye hein, de plus s'arrêter, je suis désolé. Hein. C'est tellement dans ce niveau-là que je vais louper plein de choses. Ok. Ok, là on est de l'autre côté du pont. Hein. D'accord. Ils sont sympas parce qu'ils partent du principe que je vais perdre ma voiture toutes les 2 minutes. Et que par conséquent, du coup, il y en a plein de rechanges. On est d'accord que j'ai plus d'armes du tout. Et que... Pourquoi, en fait? Même si c'est pas la nuit, pourquoi? Ici Pat Maine, et vous écoutez KBF FM.
Les amis, je tiens à m'excuser de vous avoir laissé avec de la musique en boucle la nuit dernière. Mais j'étais retenu. Vous voyez, je suis tombé sur un cow-boy du FBI à la gâchette facile qui mériterait une leçon de politesse et un bon coup de pied au cul. Pas forcément dans cet ordre d'ailleurs. Je sais, les amis, que ce que je dis ne vous éclaire pas beaucoup, et j'en suis navré. Je ferais mieux de garder ça pour moi. Mais ça me met hors de moi de voir des gens pareils porter un insigne. Et je suis bien content que notre shérif Breaker ait été là pour régler tout ça. Et si la personne que j'ai vue hier soir m'écoute en ce moment, je tiens à m'excuser si jamais mes paroles vous ont mis dans le pétrin. Je suis sûr que vous n'êtes qu'une victime dans tout ça. Courage, mon gars. J'espère que vous savez ce que vous faites. Bon. À part ça, le Dr Nelson sera avec nous toute la matinée. Et d'abord, un peu de musique. Oh, il est bon. Je l'aime beaucoup, le mec de la radio. Il est gentil, il est malin. Morgan Freeman, s'il vous plaît. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Ah, il a géré. Pourquoi je dis ça? Tout simplement parce que, genre, il aurait pu à tout moment dire « Alan, courage !» ou un bail de genre. Et il a juste dit « Le gars qui était avec moi, je sais que tu m'entends. » Courage, tu vois. Il a été subtil. Ce message était pour moi. Incroyable. En mettant le jeu dans son contexte, quand tu te dis que ce jeu est sorti sur la génération 3.6 PS3 et PC de l'époque, donc il y a 10-11 ans quoi, ça a de la gueule quand même. Hein. Oh la vache. Alors oui, je vous l'accorde. Oui. Le jeu a vieilli. Ah, c'est une certitude. Mais bordel, il brille encore sur tellement de points. Qu'est-ce que j'aime les jeux de cette époque. Oh, la voiture. Oh, la voiture. Attends, je peux te prendre. Oh, la voiture. Je vais tellement la prendre par la suite. Ça trouve, il y a un succès, c'est genre conduisez tous les véhicules du jeu. Alors, que se passe-t-il? J'y ai jamais joué, et pourtant ce jeu me fait beaucoup penser à Firewatch. Ou à Days Gone. Pareil, j'ai jamais joué à Days Gone. Est-ce que ça vous intéresserait une aventure sur Days Gone? Je me suis déjà posé la question. Parce que étant donné qu'ici on a le jeu plus la PS5, on peut avoir la version optimisée, 60 FPS, 4K, tout ça. Ça vous intéresserait? Vous écoutez KBF FM. J'espère que cette chanson vous a plu. Alors Doc, vous parliez de la vie et de la recherche de sa moitié, de son âme sœur. Eh bien c'est vous qui parliez de ça. Je disais que je n'y croyais pas. Vous savez, je trouve ça bizarre, car je vous avais toujours pris pour un grand romantique. Vous n'avez pas tort, Pat. Mais je crois que l'amour se trouve là où on le cherche, et il faut chercher un sacré moment pour le trouver. Mais l'idée selon laquelle il existe quelque part un être qui nous est destiné, et que si on loupe le coche, c'est terminé et on reste à jamais incomplet, avouez que c'est déprimant. Je dirais même puéril, non? Il n'y a pas qu'un poisson dans l'océan. Ah, on dirait que notre docteur a une maxime de pêcheur pour tout. Mais vous ne trouvez pas votre raisonnement un peu pessimiste? Mais pas du tout. Je dis juste que la chance qu'on a de trouver cette relation si particulière ne se limite pas seulement à un coup du sort. En quoi est-ce pessimiste? Oui, en effet, c'est une jolie pensée. Mais laissez-moi vous parler de mon expérience personnelle. Oui? En fait, je ne m'oppose pas à ce que vous dites, mais ça ne correspond pas vraiment à ce que je ressens, à ce que je ressentais pour quelqu'un. C'était la femme de ma vie, la seule. Et elle, je l'ai laissée s'éloigner de moi. J'ai peut-être pas fait assez d'efforts, je ne sais pas, mais depuis elle, et ça fait longtemps maintenant, depuis elle, il n'y a eu personne d'autre, personne comme elle. Attention, je ne dis pas que je me morfonds, j'aime ma vie. Je ne vis pas dans le passé, mais ce qui me manque, c'est la façon dont elle me complétait. Le cœur a ses raisons, Pat. Désolé, les amis, j'ai eu quelques émotions fortes la nuit dernière, et disons que ça m'a un peu chamboulé. Damn. Le craquage? Le craquage de Morgan? Damn. Je suis bien silencieux, Wake. Je t'entends plus depuis une heure. Ok. Il n'y a rien dans le coin. Bon, alors. Nous avons trouvé une belle voiture. Une belle voiture que je vais très vite aller utiliser.
Allons-y. Ça se trouve, je fais une dinguerie. Hein. Oh. Oh lolo lolo lolo. Oh, les muscle cars à l'américaine. Bien. Ah non, il y a du dropshipping. Ah, il y a des textures qui apparaissent. J'aime pas ça, c'est pas beau. Ça vient de plomber une immersion. Par contre, là où je suis grave content, c'est que, bon, je le savais, hein, mais le jeu, il tourne tellement bien. En vrai, on peut lui reprocher beaucoup de choses pour le moment à la console. Enfin, pas tant que ça, en vérité. Hein. Enfin, je pouvais lui reprocher beaucoup de choses. Il faut reconnaître que jusqu'à présent, tout le catalogue sur la PS5 et ou sur la Series X, tout tourne à balle, les gars. On est vraiment sur la génération qui fait tourner l'ensemble de tous les jeux à balle. Pouah ! Quel délice ! Quel délice ! Allons-y. Je pense qu'on est bon. Que se passe-t-il ? Sarah à la station de radio. Une fois Nightingale partie, alors que le vent de la nuit soufflait par la fenêtre cassée du studio, Maine regarda Sarah. Le shérif détourna le regard. La voix de Maine résonnait d'une colère à peine contenue. Ce type passe plus de temps à boire qu'à penser. J'espère que tu sais ce que tu fais, Sarah. Cet homme a l'air malade, tu peux me croire. Il veut absolument trouver Wake, et pas pour faire ami-ami. Mais qu'est-ce qu'il me veut, ce mec ? Putain, mais je veux me retrouver nez à nez avec lui, là ? Quand il sera possédé, ça va être chaud, hein ? Il va danser de la gâchette. En 1970, une éruption volcanique sous Cauldron Lake, bien que faible, entraîna l'effondrement des tunnels et leurs inondations. 32 mineurs périrent lors de cette catastrophe et l'exploitation des mines prit fin à Bright Falls. De nombreux monuments de cette époque font partie du patrimoine historique et sont aujourd'hui protégés. Ok. C'est passé les choses dans les années 70, hein, dis donc. Ah, cinématique. Je ne voulais pas sortir. Les flics devaient me chercher. Le soleil de midi faisait de l'endroit un vrai sauna. La journée s'éternisa. Divers scénarios me traversaient l'esprit. La façon dont j'allais torturer le ravisseur pour récupérer Alice et les choses horribles qu'il avait pu lui infliger. Je l'imaginais morte. Je n'avais aucun moyen de savoir si elle était en vie. J'en étais malade. C'était l'espoir qui me faisait avancer. Ce ne fut qu'une perte de temps. Le fumier ne vint pas au rendez-vous. Ah bah tip top, c'est à décadence. Wake. Où est-ce que vous êtes ? Changement de programme. Vous savez où est Mirror Peak ? C'est la grande montagne au nord d'où vous êtes. Suivez le chemin partant de la mine, vous pourrez pas la rater. Vous attendrez au poste d'observation. J'en ai assez de me faire travailler comme ça. Vous voulez revoir votre femme vivante ? Dans ce cas, vous avez intérêt à changer de ton avec moi ! Est-ce que je me suis bien fait comprendre ? Je veux parler à Alice. Ouais, et moi je veux le manuscrit. Me faites pas attendre, Wake. Allô ? Allô ? Ah ! Je vais le tuer ! Je devais me rendre à Mirror Peak. Ok. Je sais pas si c'était... C'était proche. Peut-être plus proche que jamais. Je sais pas si c'était la manière conventionnelle, je disais. Mais je suis passé. Damn. Damn, le jeu veut ma mort. Ok, bon. Le jeu est cool, on repart avec le même inventaire que tout à l'heure. Logique, tu me diras. Hein. D'ailleurs, ça aurait été complètement con de me le vider. On sait jamais. Merci. Alors. Qu'est-ce qui se passe ? Ta-da-da-da ! Caution, tu m'étonnes. Tu m'étonnes. Donc, Mirror Speak. Une note. Je vais me faire attaquer par quoi ici ? Je vais me faire attaquer concrètement par quoi, je veux dire ? Oh là là ! Oh là là ! Oh là là ! Oh là là, on va bader ici, je vous le dis. Alors, Thomas Zane, épris de Barbara Jagger. Ah bah voilà !
On y vient. Quand Thomas Zane s'amouracha de Barbara Jagger, ce fut le coup de foudre. Elle était jeune, radieuse, belle et pleine de vie. Thomas n'avait jamais été un homme très heureux et elle avait tout changé, tout simplement. Pour la première fois de sa vie, Zane se sentait bien. Chaque chose qu'elle faisait était comme une pièce de puzzle dont il n'avait jamais remarqué l'absence. Et surtout, elle faisait venir les mots avec force et netteté. Barbara Jagger était sa muse. Ah mais je vous l'ai dit, hein. Je vous l'ai dit, hein. Thomas, Barbara, ils se mettent en ménage. Il y a le fameux incident. Barbara va à son enterrement. Bouhouhouhouhou, la vie est nulle, la vie c'est de la merde. Possiblement qu'elle a crié tellement de colère qu'elle en est morte et qu'ensuite genre son esprit vient posséder les lieux. Ou alors elle a fait un rituel chelou. Et à partir de là, c'est pas la folie. Ça va, je me rééquipe en fait. Enfin je veux dire, je suis bien, hein. On l'a vu que c'était une zone de combat. 1, 2, 3. Ok. 2 secondes. 1, 2. Ok, on recharge. Bien. 1, 2, 3. Bien. Quelqu'un d'autre ? Ça. Ok, d'accord. Faut jouer sur les esquives aussi maintenant. Alors, il y a un truc que je capte. Si on recharge notre pile alors qu'elle est totalement déchargée, on perd plus de temps qu'autre chose. Alors que si on le fait en cours, le flux de lumière est maintenu. Du coup, ça nous permet de garder toujours l'avantage, en fait. Donc, vaut mieux le faire. Très bien. Donc, les objets, ils en ont rien à battre, en fait. Ils nous agressent toujours. Tip top. Ah, tip top. Ah non, mais maintenant, je me fais agresser par le décor. Alors, bon. Oh, oui. Oui. Non. Enfin, dès l'instant où tu me les donnes, c'est que... Bof. Ok. Ce jeu de l'efficacité efficace. Allons-y. Ça va, les gars? Double kill! Ah, c'était tentant, un peu. Si, si, c'était tentant. Même pour deux mecs. Il y a certains objets, je m'en méfie maintenant. Genre ça, là. Et possiblement ça, là. Ah, quoique, non, ça bougera pas. Il y a des choses, ça va décoller pour finir dans ma tête. Hein. Il y a des choses, hein. Ça veut que j'utilise ma tête. Ok, ouais, c'est ça. Faites-moi des zones un peu plus fermées, un peu moins je me perds, un peu plus c'est l'amour du game. Puis en plus, ça fait du bien aussi de changer. De changer d'ambiance. Alors. Pourquoi il y a le catalogue d'objets IKEA qui se vénère là-dedans, là ? Alors, j'ai pas forcément envie d'y aller, là, je vous avoue. Toujours énervé ? Super. Ça a marché ? Ça a pas marché. C'est ça que je voulais faire tout à l'heure. Ok, enfin c'est ça, mais je voulais le faire avec la grenade incapacitante. Bonjour. Oh, si j'étais descendu là-dedans, mais je serais tellement mort. Genre, ça aurait fait bang 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 de ma tête. Nommé eux. Ok. Un autre. Oh! Ah non, bah j'y vais pas. Quoi? Ah! Ah, d'accord. Ah ouais. Ah non. Lol. Il y a un peu trop... Il y a un peu trop de superficie, là. Attends. Quoi? Attends, j'ai une voiture. Ok. C'est trop grand. C'est beaucoup trop grand. Le seul moyen d'atteindre le versant était de traverser le bâtiment. J'allais devoir éviter de me faire électrocuter.
Mais ce gameplay... Ce gameplay à la GTA, je suis fan, hein. Attendez, je nettoie un peu. Allez, 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 allez. C'est tellement stylé. Je suis désolé, mais c'est très stylé, hein. C'est bon. C'est nettoyé. Bien. Attention, hein. J'ai un 4x4. Et j'hésiterai pas à m'en resservir. Aziz, lumière. Ok, y a rien d'autre. Alors. Bien, parfait. Encore mieux, hein. Non. Donc j'éteins d'un côté. Ok, d'accord, oui, ça, oui. Logique. Ouah, cette zone de la tromperie. Je m'attendais tellement à ferme ta gueule, Kazma. Ferme ta gueule, ferme bien ta gueule. Monte dans la voiture. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? D'accord. LOL. Nique-toi bien. Nique-toi bien. Cours ta race. Wouh. Ok. Ça s'est bien passé. Ferme derrière. Ferme derrière. La tête de Wab. Fermez là. Pas fermé. Mais c'est calme. Allez vous faire flûte. C'est dommage qu'on n'ait pas une arme de corps à corps. Ça m'a pas manqué jusque là, mais je commence à me dire que ça aurait pu être sympa d'avoir un petit truc, genre une hache, un bâton, tomahawk, un lance-grenade. Non, mais je veux dire pour taper avec, c'est vrai que des fois... Oh! Après en vrai on a un flingue, donc ça va. Non, j'y vais tranquille. Là, je maîtrise, hein, c'est des couloirs. Je maîtrise. Tant que je maîtrise, pour moi... Aïe. Bah, nique-toi. Ok. Hop là. Hop là. Ah bah, super. J'ai esquivé à droite, mais en fait... Super. Ça me l'a mis en pleine poire. T'es pas mort, toi? Et t'as pas eu envie de mourir à une époque? Voilà, genre maintenant. Salove. Ok. Ah bah du coup c'est cool. Alors, l'heure de recharger, clac au clac, en plus mon arme elle était même pas prête. Noise. On est pas trop gourmand, ça va. On s'en sort. On va jouer un peu plus du flingue, hein, parce que le jeu me donne à balle. Lol. Deux balles, justement. Putain, cet objet là. Mon angoisse. Je vois rien. J'ai tiré dessus ou pas? Super, alors je suis content parce que je trouve que je gère terriblement mal la phase. Putain, je suis deg. Je les ai tous eu normalement. Il y avait de quoi mille fois les fumer. Ah, j'ai le mort. Ah, tant pis, je les ai eu, mais... Oh, c'est pas drôle. Ouh. Voilà. Moi, je voulais finir avec ça. Là. C'est tranquille, hein, YouTube. C'est tranquille. Pour le moment, on avance. À notre rythme. Le jeu est assez cool avec nous. Encore? Enfin, je veux dire, encore le coup du canapé? C'est pas possible. C'est une rêve, ça. C'est une rêve. Ou alors, il y a quelque chose qui est en train d'apparaître. Et le jeu... me l'a pas encore dit. Follow. Non, bah non. Enfin si, mais tu te calmes.
Wake, envoûté par l'ombre noire, toujours plus. Le saint possédé conservait des échos de leur ancien moi, mais ce n'était que les dernières convulsions d'un mort. Il ne restait d'eux qu'une coquille vide, remplie d'ombre. Dans la plupart des cas, ces marionnettes suffisaient aux manigances de l'ombre noire. Toutefois, pour l'émission plus élaborée, comme pour l'écrivain, c'était différent. Elle avait besoin de son esprit. Plutôt que de l'engloutir entièrement, elle ne fit que l'envoûter. Je suis un peu perdu dans les notes, parce que depuis tout à l'heure, c'est Wake et les ténèbres. Wake et l'entre-noir. Wake et l'anus de Satan. Wake et Wake. Enfin, genre... les notes avancent pas beaucoup, on parle que de la même chose. Le mal. Dedans. Tant, 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 tant. Ah non, j'ai cru voir un truc. Ok. Donc faut que j'ouvre ça, je suppose. Quoi qu'est-ce ? Attendez que je l'ai pas vu tomber, ça va. Dans un autre cas, dans une autre temporalité, autre part dans le multivers, j'ai hurlé. Hein. Je vous le dis. À poumon bien ouvert. Ok. Merci. Merci. Alors, quoi qu'est-ce ? Tip top. Tip top. Si on m'attaque, c'est prévisible. Ouais, c'est bien. Les grenades incapacitantes ne pouvaient appartenir à une compagnie d'électricité. Ce qui veut dire ? Ce qui veut dire, ce qui veut dire ? Attendez. Parce que c'est pas là la suite, hein, on est d'accord. Si ça appartient pas à une compagnie d'électricité, à qui ça appartient? Parce qu'il y a une deuxième personne qui est au courant pour toute cette merde, concrètement, en plus de Barry. C'est le kidnappeur, hein. Kidnappeur, qui a un petit peu disparu, quand même. Je trouve ça malin, hein, de l'avoir fait intervenir, d'ailleurs. Le coup de... l'assassin qui apparaît. Deux fois en plus, parce que concrètement il était dans l'introduction, sur le bateau, sur le ferry là. Et plus tard, genre il est en mode oui, suivez-moi, hein, je vais vous aider, gna gna gna. Le flingue? Non, je le garde, c'est moi qui ai le flingue. Et en fait, c'est le méchant de l'histoire. J'aime bien. Meurs, Satan! Attends, ça repop? Attends, parce que si ça repop, je m'en bats la race, hein. Non, je crois que ça repop pas. Continuons. Commence à devenir fatigant quand même. Hein. Bien. Ah, c'est pas fini. Heureusement que j'ai appris à jouer quand même, hein, avec les esquives, je parle. Ah bah d'accord. Ok. Ah bah super. Ouais, t'es pas mort toi. Aïe. Mais aïe. Putain, mais je me bouffe tous ces coups. Oh, je vais tellement pas m'en sortir. Allez mon gars. D'accord. Oh ta race. Ah merde, c'est ma dernière cartouche. Super. Super, c'est la joie. Ils étaient nombreux. J'ai pas trop envie d'aller me promener sur les extérieurs là, je vous avoue. Oh pourtant, ça sert à rien. Pourtant ça sert à rien, on le savait, hein. On le savait. On l'avait pré-shot ? Attends. Mouais.
Par là-bas. Une page. Je dirais que la suite c'est par là, mais on peut aller faire des bails par là. Wake et Barry en cellule. Je regardais à travers les barreaux de la cellule. Barry se tenait derrière moi, vacillant sur ses jambes, l'air aussi malade que moi. L'agent Nightingale se tenait de l'autre côté des barreaux, avec le shérif Breaker. Nightingale avait des pages de manuscrits à la main. Il semblait jubilé, l'air dément. Alors j'ai fini par te coincer, Raymond Chandler. Tout est là, toutes les preuves, y compris un complot visant à assassiner un agent fédéral. D'accord, ouais, c'est ça, hein. En fait, il cherche pas la bonne personne. À tous les coups, le mec qui cherche, le Raymond Chandler, là, c'est le kidnappeur. Jamais, hein, pour faire une pierre de coups. Par contre, il y a... comment ça s'appelle? Genre, j'ai fui un agent de l'ordre. C'est pas genre méga dangereux? Oh là, voilà, on avance à Tatang. On avance à Tatang. Très bien. Eh ben, ça ne mène à rien. Ça ne mène à rien. Mais je trouve ça fort quand même que le jeu t'autorise à aller à certains spots où tu te dis bon, peut-être. Bon, peut-être. Oh, la thermos. La sainte thermos et la sainte lumière. Ah. Et le saint bonus aussi. Attends, ça fait beaucoup là. On va revenir par la thermos. On va voir ce qu'il y a dans les mines. Les mines de la Moria. Au fait, maintenant que j'y pense, on n'était pas censé avoir un bonus de lampe torche là? Parce que je vois pas la différence. Grenade. Ok, bon, j'ai tout pris. Tip top. Tip top. Voilà, niquez-vous, une pierre 4 coups. C'est comme ça qu'on parle chez moi. Let's go! PGM. C'est bon. Non. C'est bon. Si je saute, là, je vais avoir mal. Du coup, j'ai pas eu l'occasion de voir. Ok. Bon, je me suis globalement refait en utilisable. Bien. Checkpoint. Qu'est-ce qu'on a? Des piles, des munitions, comme d'hab. Je n'avais pas de véritable plan. C'est vrai. J'allais donner au ravisseur toutes les pages du manuscrit que j'avais pour Alice. Si ça ne suffisait pas, je le menacerais d'un flingue et je le ferais parler. Attends, quoi? Ok, c'est resté appuyé sur rond, hein, c'était pas évident. Oh! Oh, le pompe de la différence! Oh oui! Oh, j'ai un vrai pompe! Incroyable! Maman? Ok, on a un vrai pompe. Avec assez de balles pour intervenir. C'est de quel côté pour sortir, bordel? C'est un lac. C'est un putain de lac. En fait, des deux côtés, ça marche. Arrêtez. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ok. C'est bon. Quoi? Putain, j'ai cru qu'il y avait un autre gars. Non, c'est cool, attends, j'avais un double coup depuis tout à l'heure, c'était pas pratique. Ok. Il y a des spots à l'infini. Je vais mourir. Putain, ça c'est pas intelligent. Hein. Ok. J'ai des grenades incapacitantes. Utilisons-les. Pas grimper du bon côté. Hein. Quoi? Quoi, c'est un module de résistance? Wow! Niquez-vous!
1, 2, 3. Attendez, je check rapidement. Il y a une grange là-bas. Il y a une grange là-bas. S'il y a une grange, c'est forcément important. Aïe. Nya. C'est bon. Oui, une thermos. Je vous dis. S'il y a une grange, c'est forcément important. Et des lumières. Bien. Quoi? Quoi? Oh, c'est pas vrai, dégage. Allez, on s'arrache. Y'a quoi par là? Putain, j'arrive pas à partir en ligne droite, c'est chaud. Quoi? Mais t'as pop d'où toi? Putain. Allez, allez, on se bouge. Ça va, on est de retour à la maison. Enfin, à la maison. C'est compris, hein. Ok. Petit round 2, non? Patienter, la famille, tout ça. Allez, on se casse. YouTube, c'est la pression. YouTube, c'est la douille. Quoi? D'accord. L'ombre noire me précédait, avançant dans la même direction que moi. Une sensation glaciale me nouait l'estomac. L'ombre pourchassait-elle Alice? Putain, c'est un cimetière! Oh non, c'est un cimetière. Après, en vrai, on n'a pas encore eu réellement affaire à des... morts? Dégage! 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 Quoi? Oh putain, c'est quoi ça? T'es quoi? T'es un boss, toi? Ah, quoi? Ah, ah, mais... C'était la panique. C'était la panique, forcément. C'est moi où il y a un boss qui se coince là. Allez, viens voir vite fait toi. C'est bon. Allez. Ça dégage. Bien. Fais du bien quand ça s'arrête, hein. Bordel. Attends. C'est quoi ça? Ah oui. Ah c'est tout? Ah d'accord. Ah bah oui, bah ça me va aussi, hein, point de contrôle. Ok, caché ou pas? Bah restez-y. Après je comprends qu'on reste globalement dans la forêt parce que c'est un peu la forêt noire quoi, c'est la forêt qui te happe, c'est la forêt qui te perd, c'est la forêt qui te tue. Une ville fantôme depuis des dizaines. Mais cela dit, voire une centaine. Tip top. Mais cela dit, si à un moment on peut être en ville, ça pourrait être cool. On l'a vu venir. Ça va, on l'a géré. On l'a géré de fou même. Que dalle là-dedans. Ok. Ok. Bon. Let's go. La page, je l'avais vue en plus. Ok, Wake est casé. C'est qui casé? Les choses n'étaient jamais aussi simples dans la réalité que dans la fiction. Bien des fois, j'avais souhaité que mon angoisse de la page blanche ait une raison précise, une chose à affronter, une chose à éliminer. Ce n'était pas le cas. J'étais rempli de doutes. Je n'étais pas comme le héros de mes livres. Alex Cazet traçait toujours son chemin avec détermination. Il n'oubliait jamais l'objectif qu'il poursuivait. Même maintenant,
J'étais furieux contre moi, contre Alice, contre Barry. Je tâtonnais et je n'avais pas de plan. Ah d'accord, en fait, ces livres, c'est l'ensemble d'une saga du même héros depuis le début. Incroyable! Yes! Je pensais que c'était un renouveau, moi, à chaque fois. Mais c'est encore plus stylé si c'est toujours le même personnage. Grey Peak George. Gorge. Oui, c'est une gorge. Fondée en 1928, la ville minière de Grey Peak Gorge était l'un des campements permanents construits pour les employés de la Bright Fall Mining Company. Le cimetière proche témoigne des dangers auxquels les mineurs étaient confrontés au quotidien. La plupart des hommes qui périrent furent enterrés ici. Funeste appel, rappel pour les survivants. Fut ensuite abandonné très rapidement lorsque la Bright Fall Mining Company ferma ses portes en 1970. Tout s'est passé en 70. Tout. Littéralement tout. Y a pas un truc qui s'est pas passé en 70. Y a pas un truc. Une thermos. Ok. Des piles. C'est bon à savoir. Je pense pas en avoir besoin. Mais au moins on sait qu'elles sont là. Ok. Je pense... Ah. Ça va. En vrai, je cherche des thermos à tout bout de champ, mais il n'y en a pas... Il n'y en a pas tant que ça dans la zone aussi rapprochée, donc je pense que s'il y a une thermos là, il n'y en a pas une autre à 10 mètres, tu vois. Ouais. Bon. C'était sûr. Ah non, ça, c'était pas sûr. Ça, c'était sûr. Ah, le frigo, carrément. Oh putain, tu m'as fait peur! Tu m'as fait peur! Tu m'as fait peur! Je me fais harceler par le mobilier et il m'apporte une boisson. Merci. Non, par contre, merci, j'avais grave soif. Ah, oh, je me disais que t'avais disparu. En fait, t'es en mood film dehors, du coup, quand tu regardes à droite, tu fais. Mais je sais que t'étais plus là, mais je pensais que t'étais derrière. Ok! Bon, le mobilier là. Ok, on a eu le frigo. Et d'ailleurs, je crois que. Bah, que j'ai d'être ça. Putain, le gars. Eh, si vous êtes attaqué un jour par des esprits du mobilier, mettez-vous dans un poteau, c'est fini. Hein. Vas-y, ouvre ta gueule. Comme ça, on te met bien round 2. Voilà. Prends le plus gros d'abord. Comme ça, t'es sûr. Voilà. Attends. C'est pas mal compliqué. Hein. Ok. Yas. Phantom. Gaz Buster. Damn. Ouf. Encore merci. Hein. Ah. Eh bien. Quel jeu. Quel jeu. Très très bon ce Alan Wake, hein. Cela dit, je pense qu'une fois que tu l'as fini, tu prends quand même un petit temps avant de le relancer. Mais je le relancerai, parce que je suis curieux de savoir ce que vaut le jeu en cauchemardesque. Ah, déjà, il aura une vraie difficulté. Parce qu'en vrai, on meurt. En vrai, on meurt. Hein. On est mort quelques fois. Trois fois, peut-être. Quatre. Donc, c'est pas que c'est impossible de mourir, c'est juste que... en fait, une fois que t'as cerné le gameplay, ça va. Franchement, ça va. Déjà ça, et surtout, je veux comprendre pourquoi il y a des pages en plus dans le mode cauchemardesque. Wow! Putain, je l'ai vu venir en plus le truc. Ok, ça c'est fait. Ah mais ça recharge pas ma pile entièrement ? Ça marche ? Ah oui, ça marche. C'est bon. Tonnerre mécanique. J'obtiens des trophées à tout bout de champ dans cet épisode. Les gars, j'ai dû obtenir 6 trophées depuis le début de l'épisode. Une machine ! Un monstre ! Ta-da-da-da. Yes. Bonsoir. Ça c'était... Ah. La lumière de la survie. Très bien, on a une clé. Ah, donc ça veut peut-être dire aussi que tout ça là,
que j'arrive à jouer parce qu'on est en mode normal. En mode cauchemardesque. Cauchemardesque. Hein? On a vu tout ça, tu le fuis, je pense. Tu passes plus ton temps à courir qu'autre chose. Save even. Couille, ouais. Save que dalle. Ça sent le scénar derrière cette porte. À moins que... Une télé... Oula! Hors de l'écriture, tout m'est pénible. Je me sens mal. J'ai réussi à me traîner jusqu'au rez-de-chaussée. Il y a en bas une boîte à chaussures remplie d'écrits de Thomas Zen. J'ai du mal à me concentrer, mais j'ai réussi à lire quelques passages. C'est un poète très talentueux. Il parle de muses et de créateurs, faisant jaillir des choses fabuleuses d'un lac magique, utilisant son pouvoir pour modeler le monde. Il parle d'un royaume de dieux, de rêves, de démons et de choses noires qui cherchent à s'enfuir et se déguisent en adoptant une apparence humaine. Zen écrit à propos de lui, de sa fiancée possédée par une ombre noire, de sa peur grandissante du lac. Zen pense qu'il s'agit du reflet du chaos qui nous domine et au rôle d'une créature lovecraftienne. Je suis retourné à l'étage. Je vais intégrer ces éléments à mon histoire. Ils sonnent vrais. Ils correspondent. Attends, c'était quoi contre le mur, là? Non, parce qu'on va se calmer, hein, Oh. Du Stephen King, du Lovecraft, ça va commencer à devenir un peu dangereux, quand même. Je vais garder le pompe. Ça me paraît être une bonne idée. Messieurs, dames, on va faire la coupure ici. Parce que je pense qu'on est sur un spot intéressant. Cela dit... Ah non, il reste des pages quand même. Pardon, j'ai cru vraiment qu'on était à la fin du chapitre. Je pense qu'on a encore des choses à voir dans cet épisode 3 et dans ce chapitre 3. J'espère que cette aventure vous plaît toujours autant. C'est terminé pour aujourd'hui. Je suis désolé, je ne trouve plus mes mots. J'ai eu un coup de pression là. J'ai eu un coup de pression par rapport à cette histoire de Lovecraft. Et j'ai commencé à avoir plein d'idées en tête, mais waouh. Je sais que le jeu a une histoire, un background, un lore qui sont incroyables. Déjà à l'époque, le jeu il avait été acclamé pour ça. Mais du coup, moi qui le découvre aujourd'hui dans sa meilleure version, j'ai hâte. J'ai vraiment hâte que le jeu me fasse dire « Waouh, d'accord !» tu vois. Je vous fais de gros bisous, je vous remercie pour tout et je vous dis à très vite pour la suite de notre aventure sur Alan Wake Remastered, toujours sur PlayStation 5. Ciao !